DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Le résumé de ces matchs. Vous savez, celui qui fait les commentaires, c'est un Tanzanien. Avant les matchs, voilà les agiles colo. Tu tiens bien les bosso et quitte Mouké. Tibi a souka voué qui met le rôle dans la gine. Très bien. 3-0, on applaudit encore pour nos léopards. Nabi Kebosé Bélé, vous allez appeler. Ne faut pas appeler Menala. Vous nous dérangez s'il faut appeler. Alors, on va d'abord écouter un analyste, hein, c'est un journaliste, un confrère. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces matchs? Écoutons-les. Coup de chapeau dans la mesure où les léopards n'ont pas été excellents, je le dis. Les matchs ont été dominés par les Tanzaniens. Il faut voir la première et la deuxième partie également de cette rencontre. Mais les léopards ont été plus réalistes que les Tanzaniens. Et également, il faut saluer un aspect très important, c'est la correction dans le jeu ramenée par Hector Cooper, grâce également aux critiques ou aux analyses des uns et des autres par rapport au dispositif du départ. On a vu également, on a fait intégrer Gaël Kakuta qui n'était pas avant. On a responsabilisé à tout prix Samuel Bastien Binda au niveau du milieu du terrain, ce qui a permis exactement qu'on puisse marquer trois fois de suite par Kakuta, Idumba et aussi à la fin Ben Malango. Un point aussi majeur à saluer, c'est carrément l'organisation au niveau exactement des ailes, avec également Ngonda qui a cédé sa place à Maswaku, mais aussi Mukoko Amale qui a fait un match très excellent. Les derniers matchs ici à Kinshasa, le dimanche prochain, face aux Écureuils du Bénin, je pense que non, ça sera la grande finale. La grande finale, ça demandera au tout prix aussi, au niveau exactement des léopards de la RDC, de jouer, de ne pas s'affoler. J'insiste très bien, les léopards ne doivent pas s'affoler pour au moins tomber dans l'euphorie de cette victoire face à la Tanzanie, mais plutôt de travailler calmement à partir déjà de ce soir, jeudi, vendredi, pour que samedi, qu'on puisse mettre les derniers réglages. Ayant leur destin en main, les léopards de la RDC se doivent de remporter leur dernier match face au Bénin pour se qualifier au prochain tour. Très bien. Alors, Président Fouamba, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que l'entraîneur a démissionné. Tu voyais pourquoi il a démissionné? Est-ce que ça, on t'a bousculé à démissionner? Toté. Maître Lens, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Commençons avec la situation des léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que président Fouamba, vous allez qu'on s'attendre pendant que Léopard a gagné 3-0 dans la Tanzanie. N'est-ce que Tanzanie en a zoubeta, n'est-ce que Nioro l'arabatou? Est-ce que. Bon, pour le baguette, nous vous attendons dans 3 mises à 0 pour les éléments. Parce que moi, je crois en la possi. Mais étant sportif, il y en a au croix qui n'ont pas la coupe gagner. Mais ils ont dit moi passé. Donc voilà. Donc on gagne 3-0 là, je dis non. Mais pour gagner, on a espéré que nous avons un état congolais. Donc on a pour que ces chances allaient là pour gagner. Vous avez regardé les matchs? Si. Du début à la fin. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté Léopard? Léopard a gagné, oui, mais moi, je ne suis pas encore convaincu par le jeu de Léopard. Oui, oui, vous avez raison. Sans manière. Et donc, oui, on a beaucoup reproché Léopard, c'était la perte à ballon. Surtout à l'occupation, il y a le terrain, il y a la position à ballon. Dans les années, il y a des coups, on a mis ça. Nous, on jouait à la paille qui va être un ballon, 100% la balle. Attends, 3 passes, maintenant aussi, par la même partie. Nous, c'était plus que le réalisme, mais c'est que nous, on a gagné, on a mis 3-0. Donc, on a encore beaucoup à faire. Donc, le club a tout gagné, tout s'est péli. Mais il faut pas ça, la Moussala pour le match où il y a dimanche. Il y a le match, il y a le Biawa, il y a la finale. Donc, il doit beaucoup travailler et conserver la balle. Mon état, on a moins la dernière minute, on a dit qu'on conservait pas tout le début. Donc, ils doivent savoir conserver la balle et que vous avez la balle. Parce que lorsque vous conservez la balle, vous faites courir l'adversaire derrière. Mais tant que vous avez le ballon, vous pouvez ça, adversaire, tant aller à la course et organiser. C'est ce que j'ai reproché au niveau de l'équipe de la Bissau, il y a Léopard. Et puis, il y a eu beaucoup de pertes au niveau de la défense de la Bissau. Il y a le ballon Mingi, l'équipe, il y a Tanzanie raté. C'était puis la 4e phase de réparation. Alors, si vous avez des attaquants, vous allez percutant. Donc, vous allez prendre le ballon Mingi. Donc, bravo dans le score, mais ils doivent continuer à travailler parce que le match contre Bénin est cause de la facilité. Tout le Bénin est la bête contre Madagascar et cause de la facilité. L'État congolais, les pères et les mères, je donne toutes les chances d'inclinations à Léopard pour qu'il se qualifie dans le deuxième tour. Maître Lens,
Le Léopard a joué, le Léopard a gagné, c'est important. On a 3 points, on est deuxième du groupe, avec 8 points devant la Tanzanie. La Tanzanie est déjà éliminée, là, il faut qu'on se le dise, c'est déjà fini. La finale se jouera le dimanche Bénin-RDC. Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté des Léopards, malgré victoire en Abyssou? Non, d'abord, vous avez commencé par dire qu'il y a eu victoire sans manière. Moi, je dirais ce qu'il y avait besoin d'avoir la manière. Non. Ce qui était important de marquer, d'avoir les 3 points. Non, maître, le football, c'est la beauté aussi. Je n'ai pas terminé. La manière, il faut je n'ai pas terminé. J'ai dit la manière, oui, mais pour aujourd'hui, le Léopard n'avait pas besoin de la manière. Le Léopard avait pour manière, oui, ça l'a le Léopard avait besoin même, seulement. Même avant, ils allaient la beauté. Vous savez, personne, tout le monde le disait. Sur le tout gagner, c'est qu'inutile. Donc, il fallait gagner. Quelle que soit la manière, quelle que soit la forme, il fallait d'abord gagner. Et coup de chapeau dans l'équipe, parce que 3 buts, Tomaka, on cala surtout à l'extérieur. Donc on suppose qu'avec le prochain match, l'entraîneur va corriger les erreurs. Et les erreurs, c'est à quel niveau? D'abord la défense. Ni Tété, la bravoure, il y a gardien Joël Kasumba. Mention spéciale à ce gardien qui a fait un grand match. On pouvait être. Il m'a rappelé les Tomanko, non? On pouvait être encaissé. Et les Tokala aussi. Et il y a aussi un élément à dire. Vous savez, nous avons parfois une mal bouche de dire que gardien on a sans club. Mais aujourd'hui, celui qui n'a pas de club a su gérer sa cage de la bonne manière. Là, la manière est là. Parce que le gardien a bien capté. L'entraîneur doit tout faire pour que le classement ait un peu moins normal. Il y a des joueurs, il est mieux quand il est dans sa peau, dans la place naïe, quand il est chassé le bimba. Quand il est dans le milieu, parfois il y a un vagabond à terrain, il ne sait pas se positionner. Mais quand il est en défense, il peut facilement relayer dans le milieu. Donc, entraîneur Atala, match à Bénin, les Béninois jouent très rapide. Et comme il joue très rapide, il faut tenir compte dans l'élément. Sinon, nous allons pleurer encore dans la RDC. On a eu la victoire à l'extérieur, nous risquons de pleurer à l'intérieur. Donc, l'entraîneur avec son staff. Et le staff, quand je dis le staff, donc je vois les Congolais qui sont dans l'équipe nationale. Ils doivent tout faire pour aider l'entraîneur argentin pour que le dimanche, on commence la fête. Maître professeur, président Fouamba, est-ce que. Je m'excuse, hein. Est-ce que. Gardien rassuré, il a fait un grand match. Oui, oui, il faut. Moi, je vais me la parler en tant qu'un ancien gardien. La bêtise va beaucoup parce que Asseline Moussala et Amalam, parce que si tu as 8 minutes encaissé dans l'éliminatoire Oyo, il n'est pas allé à la base, hein, les gardiens. Abimi qui a encaissé, même contre Benin, match aller, même contre Tanzanie, Tatali a bien même dans le Mumbashi. Ah, ça n'engage que moi, on a évité. Mais quand on s'est fait la tête. Ah, mais vous avez un problème dans Bokechua. De Bokechua, vous savez, là, ça n'engage que moi. Mais aujourd'hui, moi, c'est, pour moi, c'était le meilleur joueur là, au niveau de l'équipe. L'homme du match, c'est lui. L'homme du match, il est l'eau, il est donc. On a félicité, on a encouragé. Ma bonne on a assez pour que dimanche, bah confirmer nous allons aller le moment. Parce que nous avons tiré à Mogotégué, tu gagnes 3-0 contre les Tanzaniens et que tout comme on a fait ça dimanche, ah ouais, tout ça a été figé et vous allez bien. La fête doit continuer. Est-ce qu'on peut pas, nous souhaitons pas, mais vous rappelez que vous avez bien Tunisie, hein, 2-0, vous menez. Ben, est-ce que ces scénarios-là, comment peut-on faire pour éviter cela? Est-ce qu'il faudrait que le ministre Bazou équipe est allée là grâce à Congé Rueza. Bazou y en a pas joué l'élo. Est-ce que on peut pas? Il faut qu'il y ait des réunions. Allons-y les Léopards. Bazou en a tout. Mettre tout le monde d'accord parce que le Congo c'est un peu compliqué. Surtout ça des martyrs. Tu sais de me souvenir ma bébé. Surtout pour les Léopards. Oui, les réunions oui, les réunions aussi non. Oui pourquoi pour nous fédérer ensemble. Ouais. Et vous allez l'élo comme là mais non pas parce que la carte de réunion on a. Ça crée aussi des problèmes. Donc, les gens qui ont un match Oyo, ils ont un match Oyo, ils ont un match Oyo. Oui, Dieu, ça a été supprimé. Et puis, parce que ça ne demande même pas de réunion. État congolais. Comment moi je peux souhaiter que mon équipe aille quand vous allez éliminer pour que Ghana, qui me souhaite, qui est la Coupe du Monde? Non, c'est inconcevable. Je suis congolais et là, il faut se faire un il faut se faire un Congo, un Abisso. Même les Vita, les Mazim, les Imam, Baza, vous voyez, après les Congo, ce n'est pas avant les Congo. Mais là, si nous mettons toutes ces équipes-là, dès avant les Congo, il y a un autre problème. Nous devons aimer en premier, c'est les Congo. Donc, je soutiens totalement l'équipe nationale. Nous souhaitons à 3 sur côté à mon dimanche et que vous allez le comme à la monde. Des réunions, oui, mais. Maître Alex, est-ce que l'entraîneur, vous avez suivi les matchs, est-ce que l'entraîneur repose à changement, il y a 11 de départ. Est-ce que au premier mi-temps quand même, Moukoko Amale a souffert. Hein? Est-ce qu'il faut qu'on mette l'équipe de Balagui Bosso, le joueur Mbokani aussi a été touché.
Mais il a fait un bon match aussi. Mbokani a fait vivre son âge. Il a fait un bon match. Il a joué. Il a bien joué. Est-ce qu'il faudrait que l'entraîneur modifie son équipe de départ par rapport à match à Lilo pour n'avoir pas la dimanche? Modifier, cela dépend de l'entraîneur. Pourquoi cela dépend de l'entraîneur? Je viens de le dire ici que les Béninois jouent très rapide. Il faut souvent entraîner à Tal, dans le joueur Zanabango. Qu'est-ce qu'il faudrait inculquer comme notion pour que tout mettre fin dans le système de jeu à Bénin? Les matchs, c'est quoi? De te rendre dans le terrain avec espoir de gagner. Tu te rendre dans le terrain avec espoir que tel terrain, il y a la victoire. Mais tu te rends compte, tu es dans la force adversaire. Il faudrait maintenant, cette fois-ci, que l'entraîneur tienne aussi compte de la force adversaire. Et à partir de la force adversaire, on cherche l'équipe qui gagne. La plus belle fille n'est-elle que celle qui est là? Aujourd'hui, il dit que non, Moukoko a souffert dans la première mi-temps. Oui, il a souffert dans la première mi-temps. Mais comme c'est lui le titulaire, à la fin, vous avez remarqué que le troisième but est venu de lui. Donc, c'est question de lui dire, jouer de telle manière, garder pression, bouillé. Alors, après, il y a le but, il a eu des difficultés avec Bokechi une fois, par rapport à Kasumba. Mais aujourd'hui, Kasumba a corrigé les erreurs d'autres fois. Il a corrigé. Donc il faudrait maintenant aussi, jouer au Salim Wafai, alors qu'il mérite, corriger les règles de Bango. Si on n'arrive pas à corriger, l'adversaire va profiter de ça. La prestation de Bakambu. Bakambu, depuis il y a un temps, Bakambu ne joue plus. Hein? Il faut qu'on se le dise. Hein? Bakambu, depuis les Bakambu qu'on avait connus. Est-ce que Bakambu mérite d'être titularisé ou Ben Malang ou Bakambu? Vous souhaiterez voir qui commence les matchs les dimanches? Non, c'est un match décisif. C'est toujours Bakambu. Mais non, pourquoi Bakambu ne tourne plus? Il faut qu'on se le dise. Non, parce que dans les hauts niveaux, on peut jouer même sans ballon avec la présence de Bakambu. Rien que c'est par son nom. Du coup, jouer par rapport à Ben Malang. Quelle que soit la forme de Ben Malang. Mais le nom, c'est Madi Bakambu. Le nom de... Mais vous savez, José Mourinho, c'est pas ce qu'il dit. José Mourinho dit, c'est pas les noms qui jouent, mais c'est le niveau. Jouer à Zanamon à un moment. Non, il y a un habité. Dans le bien, si vous jouez le nom Bakambu, ou tu es là Ben Malang. Quelle que soit la forme de Ben Malang. Moi, je souhaite Ben Malang. Ou qu'il y a Ben Malang, qu'il y a Ben Malang. Ben Malang. Mais le nom, c'est Madi Bakambu pèse. Le nom de Mokani pèse. Alors maintenant, c'est que aux autres, de profiter de ces noms-là pour qu'il va se démarquer. Donc rien que par ces noms. Vous allez aussi donner vos avis, hein. Vous allez nous appeler d'un moment. Est-ce que Bakambu peut commencer le dimanche ou Ben Malango? Vous êtes libre de nous appeler et de nous dire qu'est-ce que vous voulez. Et puis, parce que le style est différent. Aujourd'hui, Bakambu, il fait jouer la défense adverse. Vous savez, il s'est percuté. Il a joué à percussion. Contrairement à Bakambu. Mais dans le placement dans le carré, c'est Ben. Pardon? C'est Ben. Oui, mais il faut faire fatiguer l'adversaire pour que les autres en profitent. Mais Ben Malang, c'est quelqu'un qui a fait une ramine j'ai à l'équipe d'avant. Donc aujourd'hui, aligné par exemple, dans un match dimanche, on va dire Ben Malang, Bakambu, je dis non. Là, ça n'engage que non. Maître Lens, votre avis? Je répète, les Béninois jouent très rapide. Or, Bakambu, c'est aussi un joueur rapide. À l'époque de Claude Léoa, il y avait Alain Kalituka Diogo. Il avait reçu comme mission, il y a aucune manière qu'un bambou de décourager l'adversaire. Aïe, ben, il était dans l'orbite de Kalituka de cette manière-là. Quand je vais faire entrer Biscotte, ça sera l'hécatombe. C'était ça. Donc, Bakambu Pen n'est pas bien joué, mais il joue les rôles que l'entraîneur lui a assigné. Donc, nous sommes en train de trop vociférer parce que Bakambu ne marque pas. Mais s'il marquait, on allait dire que non, Azan fort. En dehors de ça, marquer, il a aussi beaucoup de pertes. Non, oui, c'est vrai. Bakambu. Pour qu'on se le dise, non. Vous êtes des fanatiques. Bakambu, non, je ne dis pas que Bakambu est au milieu de sa forme. Bakambu, c'est vrai, depuis qu'il est allé en Chine, il y a une perte de vitesse. Mais du moins, c'est un joueur intelligent. Il sait respecter les consignes lui données par l'entraîneur. Il peut ne pas marquer, mais il va peut-être faire en sorte que l'adversaire va m'attaquer et permettre de mettre la biseau, de bêta. Mais quand vous dites ça, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que Bakambu joue aujourd'hui, vous savez que les Léopards jouaient défensif à un moment donné. Bakambu n'a pas joué le rôle que vous lui donnez là. Si et le pas n'a plus que je fasse. Parce que pour que le pas gagne le Bénin le dimanche, il faut dire non. On ignore une chose. C'est qui n'a pas marché. On va vous prendre la ligne d'un moment à l'autre, ne nous appelez pas encore. On va vous prendre la ligne, vous allez donner vos avis. On ignore une chose. Bakambu n'a pas marqué, c'est vrai. Mais Bakambu est compté parmi les meilleurs passeurs. Si Mbokane a débit, c'est grâce à Bakambu qu'il avait bien servi. C'est une question, il y a un rôle, il va passer dans le terrain. Il joue avec Mbokane.
Autrefois, il était un neuf de pointe. Maintenant, il est fait ce soutien. C'est ça le rôle. C'est ça la difficulté. Pas trop besoin benga. Ton cousin a dit que vous pouvez savoir vivre Abino parce que match à dimanche, c'est un match capital. Le Léopard doit se qualifier Coupe du Monde. Là, on a la Coupe du Monde. Les Zara, on a la match à Coupe du Monde. Il y a 74, mais Ridi a la montée. Il n'a jamais vu le Léopard jouer la Coupe du Monde. Et donc, il a chance naïe. Attends là, au moins le Léopard une fois. Même Novas n'a jamais regardé le match à Coupe du Monde. Il y a aussi un élément. Les Béninois connaissent plus Bakambu que Malambu. Donc ils vont être très vigilants par rapport à Bakambu que Malango. Donc c'est mieux que Bakambu commence à fatiguer l'adversaire. Quand Malango sera là, il trouvera une tâche très facile. Nous avions suivi avec vous match aller à Bénin. Vous savez que le Bénin avait joué, avait une possession et à balle et 65%. Match aller. Donc c'est pour dire que le match retour n'est pas aussi facile. Alors nous disons merci à nos Léopards. Je rappelle que le Léopard de la République démocratique du Congo vient de battre l'équipe tanzanienne sur son terrain. 3-0. La manière n'y était pas là. La mayonnaise n'est pas encore là. Mais le Léopard a gagné, c'est ça l'essentiel. Et le Léopard occupe actuellement la deuxième position au classement après l'équipe, moi j'ai fini une équipe surprise, le Béninois, le Bénin, qui totalise 10 points. Le Bénin n'a besoin que des matchs nuls pour se qualifier. Le dimanche, le Léopard doit impérativement gagner pour se qualifier. La Tanzanie, na Madagascar, si ben éliminé na Bango, Bakanabisaka na Bango, c'est plus grave. Donc moi je crois que tout doit se jouer le dimanche. Je demande à tous les Congolais, comme a dit le président Fouamba, d'être derrière l'équipe nationale. Le chef de l'État, d'ailleurs, lui-même était très content aujourd'hui. Il a félicité les Léopards. Et nous tous, le Premier ministre, le ministre des Sports, allez-y les Léopards avec Yassante Moulomboy, Kabulu Mona Kabulu. Vous tous, les anciens ministres, je vois Amos Mbayo Kitenge, Denis Kambay, Chibouk Binotou, vous fédérez. Et alors, à Majatinisité, au Batobalela. Un banakin, Yandre Kimbuta Yango, Bino Grande Yango Yolingaka. Vous êtes toujours derrière l'équipe nationale, vous tous, nous tous, derrière comme un seul homme. Nous sommes tous les sables dans nos églises. Je dis bien dans nos églises, de vraies églises. L'église, il y a présent pour Mbate, mais l'église va bien pour que le Léopard gagne ce dimanche. Donc, Kinshasa est dans le tempérament de Yango, pas dans Yango, pour le match en direct dans la chaîne nationale, évidemment, mais je crois que le Léopard va y aller à Boutou. Demain, ils vont s'entraîner et nous croyons que le jeudi prochain, nous allons fêter, n'est-ce pas, la qualification de nos Léopards et préparer aussi. Phase de voyage à Soukawana parce que on est aux années. Moi, j'ai pris beaucoup. Tout le monde a sa vie aux manettes. Là, ça n'engage que moi. Dans le gardien, on a un Chelsea. On a un Zouan, c'est le bien au légalité. Donc, j'ai pris beaucoup. Tout le monde a sa raté. Mais tu mettrais ma boucanda, on a le droit. C'est légal de rater. Mais c'est chez quel Léopard? Ah oui, mais. C'était quel Léopard? Oui, je vais te rappeler le classement de ces Léopards-là à la perche américaine du Fanny. Au numéro 1, Kan. Numéro 3, Balakovo. Numéro 4, c'était Bouana. Numéro 5, Kongo Memedo. Au début de Bahouana, il y avait Eugène Kabongo devant. Au début de Bahouana, il y avait Baba Capitaine. Non, où est-ce que c'est le. Oh yo, et le Léopard, oui. Mais non, pas comité. C'est ça. Voilà, merci. On va prendre vos appels. D'ailleurs, quelqu'un, docteur, maître idole Kalonda de Bokoro Maïndombe. J'ai besoin, je désire avoir le numéro du président Fouamba. C'est urgent. Maïndombe, comment nous connaissons ? Ok, à cause du numéro, on a 089. Alors, président, maître, monsieur idole, joie numéro, oui. 089. 91. Rapidement, on parle 5 minutes, 20 clés, et puis tu fais le téléphone. Président Fouamba, qu'est-ce qui se passe encore? Non. Mon téléphone aujourd'hui n'a cessé de sonner. De partout, de Kasumbalesa, de Kamounia, dans les Kassai, même dans le fond village à Maître Lens. Votre village, c'est encore lequel, Maître? Moi, c'est un bon Malouosi. Hein? Ah, bon Malouosi, là où il y a des crocos. Oui. Des crocodiles. Oui, c'est très bien. Est-ce que t'as jamais, ton oncle n'a jamais été mangé par un crocodile? Mais je vous dis, c'est l'histoire là dans mon village. Ah, très bien. Donc, Bango Touba Benga va dire, entraîneur Avita a démissionné. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'écrire lettre officielle la présidente à coordination, il est allait démissionner et que vous savez, on va jouer. D'abord, ça, moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est l'entraîneur.
Il faut respecter l'administration du club. Il faut respecter la présidente. Il faut respecter la coordination. Il ne faut pas aller démissionner auprès des joueurs. Moi, je crois que ce sont qu'il y a des comptes en bas aux hommes. Alors, président Fouaba, pourquoi vous avez poussé l'entraîneur à démissionner? À cause d'un match nul à GSA. Non, donc pousser l'entraîneur à démissionner. Ah oui, c'est vous qui l'a poussé. Non. L'entraîneur avait un contrat avec le club. Mais les contrats, c'était une année. Permettez. Azena contrat avec les deux parties Bayokani. Mais ça, c'est que nous, à Monique, moi, je suis allé dans la cour et vous à démissionner. Il est libre. Il n'a pas commis un péché. Il est libre à la cour démissionner. Mais pourquoi les démissionnaires, comme elle n'était pas prêt à qui vous démissionnez, ça va jouer? Peut-être la manière où il a utilisé les malades en minité, parce qu'il a été engagé non pas par le joueur, mais par le comité de la Sévèque. Il devait commencer par le comité et aller au niveau, puis finir au niveau là-bas joueur. Mais je sais que comme au niveau du joueur, c'était verbal. Le niveau comité, peut-être ça n'a pas écrit. Hein? Mais est-ce que tu es satisfait de cette démission ou vous regrettez sa démission? Non. Franchement, sincèrement parlant. Non. Pasteur, quelqu'un, vous avez une famille, habite à Tikibino. Non, vous savez, non. Moi, je suis dirigeant, mais il est libre. Mais il est libre. Il est libre. Il a démissionné pour des raisons qui sont. Est-ce que vous regrettez sa démission? Pardon? Il a laissé un vide, selon vous? Non, regrettez parce que c'est un fait parmi nous. Il a laissé un vide? Un vide? Oui. Oui, en tant qu'entraîneur titulaire. Ok. Oui. Donc, avec les Borins, un problème actuel? Non, j'ai dit en tant qu'entraîneur titulaire, parce qu'il était parmi les staffs techniques. En tant qu'entraîneur titulaire, oui. Mais là, c'est l'adjoint. Là, on commence une vidéo. Est-ce qu'actuellement, maintenant, Choumou devient titulaire ou il doit assumer quel intérêt? Non, là, c'est au comité, il y a voulu l'éclaircir. Hein, parce que je n'ai pas dit que nous, parce que titulaire a démissionné, automatiquement, il y a au comité. Nous aurons aussi vos besoins et vos avis. Est-ce que Choumou, en tant que titulaire, toi, maman, vous entraîner, vous soit remplacé Choumou? Parce que je rappelle que le même Choumou, on a bino comme supporter, il y a deux matchs, et bien, par contre, on a bis, c'était un problème, mais tout ça, c'était vous. Donc, alors, si vous êtes titulaire, vous voyez la charge que vous lui donnez. Maître Lens, l'entraîneur a démissionné. Est-ce que selon vous, il a rempli son contrat? Peut-être parce que l'entraîneur était déçu. Est-ce que Veclet peut regretter cet entraîneur? Veclet peut ne pas regretter cet entraîneur parce que par rapport aux objectifs lui assignés, il y a un qui n'a pas été respecté. Parce qu'en arrivant ici, nous avons déjà bien indiqué à y remplacer Ibengué. Et Ibengué n'était pas une personne facile à remplacer. Mais Ibengué aussi a pris le temps. Ibengué n'était pas une personne facile à remplacer. Le temps, oui. Mais Ibengué est parti avec une marque laissée avec l'aide. On l'avait dit que Kouya, Fouaz Alamakas. Ibengué a dit qu'avec l'aide, n'a pas un niveau un peu élevé. Il est temps d'aller avec l'aide à l'ongue dans le premier tour et comment ça va finir. Donc, c'est déjà un échec par rapport à l'objectif après ça qui est. Mais dis-moi, ce qui est bien, là où les Véclés peuvent regretter, on a senti qu'il y avait de former les joueurs. Il y a des joueurs autrefois, même à l'époque de Bengué, parce qu'il a brillé le goal à l'époque n'a été. Moi, je peux citer le cas de Mevek Kassa. C'était un grand joueur, mais il n'avait pas le temps de bien évoluer. Bien former. Non, je ne dis pas qu'il n'avait pas le temps de bien évoluer. Mais peut-être le système de jeu de l'entraîneur est coïncidé, non? Et bien, il a joué. Il s'agit que Mevek aujourd'hui a un bon joueur. Ce qui est peut-être Mabé, à quel moment il a joué le goal à l'époque. C'est vrai, il y a l'adjoint qui va peut-être assumer l'intérim. Maintenant, dans l'hypothèse où Veclet aurait un entraîneur, il faut qu'il y ait un temps. Mais c'est ça le football, mec. Oui, qu'on attend. Maintenant, Mautolimos entraîneur. Il n'y a Paris pas en risque. Non. C'est ça le football, mec. C'est ça le football. Barcelone, Antonio, la Keman. C'est ça le football. Non, c'est pas. Quand le Rista n'est pas là en Europe, c'est qui sous c'est vrai. N'importe où, Rista, ça te va. L'Ongolio va foutre un mot, va tirer tout le monde sous. Non, ce qui n'est pas un résultat, Afrique c'est qu'il est déjà. Là, il a déjà perdu. Mais sur les plans internes, dans l'INAFOOT, Veclet n'est pas encore. Là aussi, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Est-ce qu'un entraîneur accueilli par rapport à propos lui tenu par la présidente? Non, la présidente ne lui a pas dit. Nous sommes en train de. Non. Il a été conditionné parce qu'il a compris que non. J'ai parlé au conditionnel. Peut-être les propos lui tenus. Nous sommes en train de se poser les propos lui tenus par la présidente. Est-ce qu'il y a de la bonne manière ou de pas de la bonne manière? De toute façon, c'est un blanc. Quand un blanc voit que ça ne va pas, il démissionne. Moi, je pense que moi, j'avais dit ça n'engage que moi. J'avais dit quand l'entraîneur a été cité, j'avais dit sur ce plateau que cet entraîneur ne me convainc pas par rapport à Seven et Bapesaki. Et s'il faut aller. Après, la Marseille, je saison, mon gars, Boukane, Tigine et Bale. Bon, vite à Zouye, Bodo, à sa formateur, moi, j'ai dit, président Fouaba, il a bien qu'entraîneur, on va rouler le Coranaïté.
Et puis la preuve est que Coupe d'Afrique de Longwe, match Balega, GSK, pression l'équipe, au Ténéké, en France. Bon, vous avez utilisé un terme formateur. Hein? Vous avez utilisé un terme formateur. Peut-être, Veke m'a rappelé qu'on croyait que tu avais un niveau, mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que par rapport au titre, tu n'as pas ce niveau-là. Ok, merci Maître Lens. Donc maintenant, le téléphone est là. Je vais commencer à lire des messages et prendre vos appels. Par rapport au dossier Léopard, qu'est-ce que vous proposez pour un match à Botani, match à Léopard, pour un match à dimanche? Et qu'est-ce que vous proposez aussi pour un Vecteur? Est-ce que l'entraîneur Choumou a dit qu'à la titulaire? À quoi pression ma provinciaux? Hein, ma prévention n'a mis sur la vie, mais ça va pas. Oh, Gagago, Tosaï n'a mis sur tes mêmes bancs, on est parti n'a mis. Oh, Moutakota n'a mis. Bon, on connaît comment ces équipes fonctionnent. Hein. Alors, on prend vos appels. Allô, bonsoir. Mais faut aller, bref, parce que Batouba est belé Nasinga. Allô, bonsoir. Au bien, il bisoua. Allô? Au bien, il bisoua. Avant en ligne. Ah ouais, ici il est en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Mais ici il est en ligne, s'il vous plaît. Aïe. Ok, je prends une autre personne. Allô, bonsoir. Allô? Allô. Ok, on prend le résumé de ces matchs pour permettre à nos techniciens d'arranger rapidement notre ligne. Parce que vous êtes tellement nombreux, sur vos bénites et vos silicones. On prend les résumés et puis en attendant, nos techniciens. Allô, bonsoir. Est-ce que ça passe? Allô? Allô? On prend les résumés pour permettre à nos techniciens d'arranger rapidement notre ligne. On prend les résumés, Léopard de l'RDC Tanzanie. Juste après. Congo Airways, le plaisir de voyager. Ok, très bien. Alors, je crois que Lynn est déjà. Merci, ma bonne. C'est Lynn, merci. J'ai vu l'intervention de tous nos techniciens. Ok, on prend maintenant quelqu'un au bout de fil. Je crois que ça marche. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, au Bengi Bissoua. Allô? Oh. Allô. Allô. Ah. La personne est partie, on prend une autre personne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bon, bengi biso abi papa. Ok. On va participer par rapport à dossier Vecteur to dossier Léopard. Merci, ça n'engage que vous. Ok. Alors, pour aller au dimanche. Très bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Balobi Zakopia. Et Zakop Nabango, bon, là, il y a un lobby. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Obéni Bissoua. Oui, la ok, dossier avec Clem, entraîneur a démissionné. Léopard, dimanche. Qu'est-ce que Olingo Lobana dossier Nin? Non, bon. Dans la vie qui a dossier à la perche, je les aime beaucoup pour la départ entraîneur. Parce qu'il ne peut pas démissionner d'abord qu'apprenti avec qui n'a pas de tâche de gagner parce qu'il va tout maintenant faire que la culture de gagner. Et puis il y a 4 mois. C'est toi qui dis. Merci beaucoup. Les gens continuent à regretter. Départ et entraîneur. Est-ce que président Fouamba, vous en avez un téléspectateur rapidement parce que nous avons un mot à l'heure. J'ai dit que non, départ et entraîneur, vous
a démissionné pour des raisons qui lui sont propres, donc ça n'a rien à voir avec mon machin. Allô, bonsoir. 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 On est là, Léopard, tout fait clair. Ok, l'entraîneur a démissionné. Bon, l'entraîneur a démissionné, il est un problème à tenir. Mais Raoul Sungu a au capté la télé, tout petit capté à part. On a une affaire de type motion à supporter la télé à monde d'amitié à part FIGA. La grave fait la crédit à un petit gars non non à Raoulé. Donc on a eu sur que Raoul Sungu a au capté la télé à jouer des rimes par un an à la barre entraîneur au sous tout petit capté à part. Ce qui est pour des années où on va mettre au monde. On a eu sur Raoul Sungu dans la vie. Merci. Batobazé, Bélé, aïe, analyse, on a un problème. On met ma message samedi dans la réunion. C'est ce que les téléspectateurs disent hein, par rapport à mon lobby, vite équipe à pression. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, Béli, bisous. Olivier de la ligne, Léopard, Vita. Vita. Ok, le traîneur a démissionné, il est venu texte la main. Ah, Vita. Je ne reviens pas. Oui. Allô, bonsoir. Merci, Toro Guillaume. Bon, c'est pas ce mot-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tété, à l'Oliba, nous, d'accord, tu es sur ce mot-là. Donc, Chungu Azali, la vie à Chungu Azali est adjoint. Le titulaire a démissionné. De ce que tu as fait, normalement, le gâteau, le coach Moussoussou. Ok, très bien. Le matzaï, tu vas voir le coach Moussoussou. Allô, bonsoir. Allô. Béni bisoir. Oui, bonsoir, pasteur et docteur. Béni bisoir. Ok, on nous donne le dossier, le pas match à dimanche, tôt, démission, il y a très rapide. La singa rapidement, Batoubazé Bélé Badiba Kota, au lobby du pendant démission entraîneur, Chungu peut continuer à être confirmé ou pas? Message à l'objet, il faut pas le remplacement. Jusque là, maître Chum n'a pas à du nom unanimité. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'émission miroir de la ZEC. Préfet, le nom, mot d'esprit aux alliés. Oh, il y a le nom, les alliés entraîneraient titulaires. C'est adieu, pas automatique de au comité de Bagodéra, vous décidez. Votre avis. Pardon? Vous, mesdames, personnellement. Ouh là là. Oui, oui. Je pose comme analyste. Est-ce que. Non, 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 j'arrive. Vous, personnellement. Chungu soit confirmé comme ou qui est notre entraîneur. Non, même si on mettait Chungu ou pas. Donc, non, vous, votre avis. J'ai dit, tout celui qu'on mettra, tout celui qu'on mettra là-bas. Bistot, Azan Soutina. Et bon, Ayo, est-ce que vous avez un souci de Batia Chungu, Batia Moutoumoussou, Azan Soutina. Non, ce n'est pas une réponse. Non, non, parce que celui qui engage l'entraîneur, ce n'est pas le cas. J'ai dit, votre avis. Pardon? Avis, Ayo, si aujourd'hui, Batou Nio, pas maman, Fouamba, Eric, moment de dire, nous entraîner, nous sommes chumba tika la seconde, toto tika la chumba titile, qu'est-ce que vous répondez? Non, on répond le jeudi prochain. Non, voilà. C'est ça le problème. Maintenant, votre avis, chumba peut être maintenu, titile, c'est possible. Ou qui est notre entraîneur? Non, le Vétlibien ignore une chose. C'est vrai, peut-être par rapport à l'élimination si tôt en Afrique, et ça, c'est que Babou s'en appelle. Pour est-ce que Chungu a ça là? Chungu a joué à foot à l'époque où Vecleb a gagné la différence à foot. Il faut pas y aller le quoi. L'entraîneur Chungu, tant qu'il a gagné Vecleb, a pour la derby mon côté. Il est allé à l'Opopo, a pour la derby. C'est un entraîneur qui connaît vraiment le football congolais. Oui. Mais en Afrique, il est si marapé. Non, en Afrique, il y a des secrets. Hein. Donc c'est le capitaine Naïbaïdi. On peut le maintenir. Moi, pour moi, il peut rester comme avion, ce n'est pas un problème. Très bien, on prend quelqu'un au bout de fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Ok, on le fait à démission entraîneur avec Klepto Léopard dimanche na Bénin. Être maintenu comme titulaire après démission ou Balou entraîner sous votre avis? Ok, je prends une autre personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Abeille, bien, on a Bumbo. Naza, Nazolo, Béaliopa. Par la Bénin, dimanche, au Tali match à Lélo, quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut changer rapidement? Bon, défense, Wana, Bako Tirabiso, Louinda, Maïsouté, défense, Wana. Bako tiyaviso linda maestu sute. Na milie wana babongisa milie atukama teolega kitoko. Me defase linda maestu sute. Kou mon frère, il y a beaucoup de gens na ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. A démissionné, votre avis, il faut qu'on cherche un autre entraîneur rapidement ou il faut qu'on maintienne seulement Choumou comme titulaire? Allô? Moussika à la télévision. Dis-moi encore. Il a dit Batika, suis-moi, mais t'as-tu face aller, puis on va l'évaluer. C'est son avis. Merci beaucoup pour l'idée. Mais je crois que c'est une bonne idée, non? Parce que le tabac nous entraînait, ça prend les tractations, tout ça, tout ça. Allô, bonsoir. Aïe, Batika, aïe, Abeta. Pendant mi-saison, et puis on va évaluer. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Nakala na kitambo magazin. Il est parti. Je rappelle que l'équipe d'FC Renaissance a été battue à Mbujimayi par Sanabalé de 3-1. Match avec Bosso Gadiagi, IST Konko, et ancien gardé Tukumbane, 1-0. Et Nassar Valenda Poli, 3-1. Donc rien ne marche dans cette équipe-là. Rien ne marche. Il faudrait que le veuve Pascal Mukuna revienne aux affaires, je ne sais pas. Mais il faudrait Baba Dalissouba Solo, parce que notre frère et le président, son nom, qu'on s'est dit, Willy Mandala est en train de vivre des étoiles, là, parce que le football est tellement compliqué, et Renaissance risquerait à la reléguer dans les PFK, donc c'est pas bien. Il faudrait rapidement avoir une solution. Allô, bonsoir. Oui, Nabenga Pater Luanda. Le club Renaissance, ça ne marche toujours pas. Équipe police Soussou, tôt le Léopard contre Bénin. En tout cas, on a vu la bonne à Léopard. On y a quoi que s'entraîner à modifier? Bakambo, Bakambo, on a mis la match. Pendant la séance de bandit, Bakambo a produit rien. Il faut que vous allez la Bakambo, on a mis la match. Il ne veut pas obéir son aide d'image, vraiment, que vous Bakambo, il faut pas la banque. Bon, tu as payé les mamans aussi, pour autant de chance. C'est votre avis. Merci beaucoup, mon frère. Je prends une autre personne. Alvi Bakambu, Ponaï Batia Juensou. C'est ce que moi j'avais dit. Il est même avis avec moi. Allô, bonsoir. 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 Bonsoir, Pascal. De Roland Gaou Benguak. Ouais, il a un.
Pour ça, moi aussi, la télévision n'a pas le malade. Alors, on a le banini par rapport à l'actualité, Renaissance Apolline, Sarbalène, les 3-1, vite à entraîner à Boaki Tablier, à Kenaye, Léopard a gagné. C'est l'actualité. Quel est votre message? Bon, message, c'est que ça, pour la Tigre, la Tigre, la Tigre, la Tigre, pour ça, la musique et la télévision, pour ça, là-bas, il y a une interférence. Au Bengi, il y a la musique, au Yoka, Biso, 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 Yoka. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mi papa. Bonsoir. Bonsoir, au Bengi, Wap. Na Bengi, yo, Namadoukou. Na bengi ya papa. Alors, mais ça dit aux gens par rapport à l'actualité, tout le monde est là. Oui, passe à la lettre. Il fallait tous se ressaisir. Donc, au sein de la ils ont péché, ils ont mis la vita, imana, mazebe, bassin, dans tout ça, la dernière pété, nous sommes à la barre. Mais ma boutique est à camp, on était à Bavarez, vous avez tellement crié, Bavarez, mais la vente, c'est quand? Non, non, l'eau, ils ont un niveau de coordination. Papa, avec les discours, on pèse pendant 3 mois. L'eau, ils ont la direction. C'est pas 3 mois. C'est pas 3 mois. Mais c'est quand, juste? Non, là, ils dépendent du niveau de coordination. On a un partenaire, on a ma boutique. Voilà. T'en fais pas au bon moment. Très bien, je prends une autre personne. Allô, bonsoir. Très bien, je prends une autre personne. Parti. Il y a tellement de messages. Alors, je vais lire, il y a des messages, des milliers de messages ici. Comment je vais lire les autres dans 2-3 minutes qui me restent. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. La bengi a parti en malima. Ok, votre message, s'il vous plaît. Message dans les aliments. Si au jour le matin, Renaissance est cause à réaliser la face à l'île de la face surtout. Non, mais l'équipe ne marche pas. Il faut qu'on se le dise. Il faut recruter dans le jeu Moussouzou. Il faut mettre des moyens. Il faut que l'équipe ne marche pas. Nabinga, na Loba. Loba, aux alliés. Ceux qui équipent et marchent, on est en train de chercher les bons moyens. Moukouna ne va plus rentrer. Il n'y a pas de Moukouna, on a des potes de vie sur la haie. Ah, Dégonangaï. Mambavita, Imano, Renaissance, Ezali, Kambo, Nembo, Kate. Bon, je pense qu'il faut nous avoir moyen. Allô, bonsoir. Allô. Bisous.
Si. Je vais essayer de lire rapidement. Appelez les autres, c'est compliqué. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre message ce soir. Bon, allô, Babouna, je parle. Je vais vous dire que milliers n'a défense. Parce que le but, c'est de gagner le match. Milliers n'a défense. Très bien. Je vais lire rapidement. Je vais trier. Il y en a beaucoup de messages. Téléphone n'a commis presque déchargé. Nous avons trié ma message. Nous avons étranger. Nous avons Libanais. Mboka. Alors, je vois Pasteur Boanota et Zana champion Yves Kimfumu en direct à Luanda, papa. Pour Nanini, aux Ulagabiso, Pembatou, Nabiso, Imanate, papa, s'il vous plaît. Madame, Imana Babanga à TV. Moi, je sais que ce mot en actualité. Président Abino, au Bache, Chico, président des rings, il y a ma supporters. N'a baigné le téléphone d'amour trois fois. C'est une émission où il y a des bosses, mais c'est un bon goûter. Il y a des bosses, c'est la fédération. Devant, Nani, Petit Adarna, Nani, le chef, j'ai oublié son nom. Donc, ce qui m'a dit quoi, parce que m'a dit quoi, représente l'actualité, je ne peux pas les forcer. Vous comprenez? N'a bien garabango, baya, renaissance, bon, bon, moi, moutou, moutou, et zananou, bah, c'est un abaroya. Bon, vite, président Fomba Signeranaye, attends, et monsieur Zama Kassi, mais, n'en comprenez rien, à qui m'a répété. Donc, pour avoir déjà adhéré, ce n'est pas notre problème. Tu inviteras actuel président Batier, tu bien garaye, à Koya, à Yakate. C'est à lui de venir. Et quand vous passez dans cette émission, on n'exige même pas l'argent. Parce que nous avons un sponsor. Voilà. Aujourd'hui, réponse. Très bien. Alors, j'ai Natrié Moutoua comme il a parti à Libreville, dans Gabon. Salut, comment on a eu Mantuela, comment on a eu Matela. Félicitations à Léopard. Pour on a eu coach Akei, Akei Pambate, présent Fabal Loba Vérité. Non, mais il y a des invités à Moi, je pense que je suis obligé d'arrêter.